Il est temps pour vous de vous connecter à votre tranche de tous les jours Zoom Eco Live. C'est déjà parti avec toutes les rubriques au rendez-vous. Nous allons donc, pour le compte des chiffres clés, parler de l'exécution globale des dépenses publiques à la fin du mois de juillet 2021. Le dossier nous ramène sur la table la prime en Prousse octroyée par les enseignants en milieu rural. Et pour le compte de la chronique, Patrick Bomboka revient sur la patrouille financière de l'IGF, mais il s'interroge sur l'impact pour les contrôles des finances publiques. C'est la grande question. Mais avant tout, commençons avec les nouvelles en bref tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec le trésor public congolais qui a affecté plus de 307 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 155 millions de dollars américains, au taux budgétaire de 2067 pour le dollar américain en faveur du secteur de la santé publique, hygiène et prévention durant les 7 premiers mois de l'année 2021. Pour le seul mois de juillet 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déboursé plus de 47,6 milliards de francs congolais, soit près de 24 millions de dollars américains pour le secteur de la santé. Les prévisions budgétaires du gouvernement pour le secteur de la santé publique, en rapport avec la période sous analyse, ont été fixées à hauteur de 861,9 milliards de francs congolais, soit plus de 430 millions de dollars américains. Nouvelle en bref encore, le gouvernement de la République démocratique du Congo a affecté plus de 2,986,3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,502 milliards de dollars américains en faveur de la rémunération du personnel de l'État en 7 mois de l'année en cours. En effet, les prévisions budgétaires des dépenses liées à la rémunération pour cette période ont été fixées à hauteur de 3,29,3 milliards de francs congolais, soit plus de 1,525 milliards de dollars américains. D'après le rapport des états de suivi budgétaire du ministère du Budget du mois de juillet 2021, le taux d'exécution budgétaire en faveur de la rémunération du personnel de l'État représente 92%. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information. En 7 mois de l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé plus de 232,5 milliards de francs congolais, soit 117,1 millions de dollars américains, au taux budgétaire de 2067 francs congolais pour 1 dollar américain, au titre de dette publique en capital. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, l'enveloppe globale attendue pour cette période en rapport avec le paiement de la dette publique a été fixé à 376,2 milliards de francs congolais, soit 189,5 millions de dollars américains. En se basant sur les données fournies par les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, dans son rapport du mois de juillet 2021, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 61,8%. Nous nous séparons avec cette information. La sous-secrétaire générale administrative, assistante et directrice du bureau régional du programme des Nations Unies pour le développement pour l'Afrique, Aouna Asia Konoa, en mission officielle en République démocratique du Congo, a encouragé le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, à ne jamais rebrousser chemin quant au bel élan pris concernant la mobilisation accrue des recettes publiques. Au cours d'une entrevue de plus ou moins une heure, le vendredi 13 août 2021 à Kinshasa, les deux personnalités ont examiné plusieurs questions qui touchent au développement de la RDC. Selon la cellule de communication du ministère des Finances, un accent particulier était mis de prime abord sur les objectifs de développement durable, également nommés objectifs mondiaux, qui constituent un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix, la sécurité et la prospérité. De retour sur ce plateau, c'est déjà parti avec les chiffres clés qui nous seront présentés par Benita Mweni tout de suite. L'exécution globale des dépenses publiques à la fin du mois de juillet 2021, on en parle avec vous, Benita Mweni, bienvenue. Merci, Unamaka. Nous aimerions déjà commencer avec le cours de change actuel en République démocratique du Congo. Que dire à ce sujet?
Justement, commençons avec le taux de la Banque centrale du Congo où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous serons à Tshibangu où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,62 centimes et un euro à 2425 francs congolais. Alors, que renseignent les états de suivi budgétaire provisoire sur le niveau global d'exécution de dépenses à la fin du mois de juillet 2021? Les états de suivi budgétaire provisoire à la fin du mois de juillet 2021 renseignent un niveau global d'exécution de dépenses de l'ordre de 2,281 milliards de dollars américains. Les prévisions budgétaires des dépenses publiques pour la période sous examen ont été fixées à plus de 7 907,1 milliards de francs congolais, soit plus de 3,825 milliards de dollars américains. D'après le rapport des services compétents du ministère du Budget, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 59%. Et en ressources internes, à combien s'élèvent les dépenses effectuées par le Trésor public? En ressources internes, les dépenses effectuées par le Trésor public congolais s'élèvent à hauteur de 4 716,047 milliards de francs congolais, soit 2,281 milliards de dollars américains contre les prévisions linéaires de plus de 6 357,2 milliards de francs congolais, soit plus de 3 milliards de dollars américains, ce qui présente un taux d'exécution budgétaire en ressources internes de 76%. Nous nous séparons avec cette question. Outre les dépenses de rémunération qui consomment la majeure partie de l'enveloppe, dans quel secteur l'essentiel de dépenses a été orienté justement? L'essentiel des dépenses du mois de juillet 2021 a été orienté vers les actions prioritaires de l'État congolais. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la route reliant le centre pompage Kintsuka et la route Lutende le parc Kimbwala, l'achat de la villa du feu Chungu Wemba Dio, qui autrement connue sous le nom de Papa Wemba, en faveur de l'État congolais pour bâtir la maison de la culture, les paiements de fonds de contrepartie du projet de développement de la riziculture à Massina, le paiement en faveur du Sebeko relative à la mise en œuvre du projet de dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu. À titre de rappel, à la fin du mois de juin 2021, le Trésor public de la République démocratique du Congo avait dépensé un total de 3 819,81 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 1,19 milliard de dollars américains contre les prévisions linéaires en rapport avec les dépenses publiques pour la période ci-évoquée de l'ordre de 6 777,58 milliards de francs congolais, soit 3,42 milliards de dollars américains au taux budgétaire annuel de 2067 pour 1 dollar américain. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes notre présentatrice de la rubrique Chiffres clés. Merci, Judith. Que comprendre sur la prime en Prousse octroyée aux enseignants en milieu rural? C'est tout de suite dans le dossier. La prime de 20 000 francs congolais octroyée aux enseignants en milieu rural, on en parle avec vous, Aris Menga, bienvenue. Merci Judith. Alors c'est quoi cette prime de bourse? Quel est son objectif et quelles sont les conditions pour en bénéficier puisqu'on parle du corps enseignant justement? Alors la prime de bourse, qu'est-ce que c'est? C'est une prime qui a été obtenue bien sûr grâce au ministre Tony Mwaba pour combler en tout cas les écarts qu'il y a dans les rémunérations du corps enseignant, beaucoup plus de ceux qui évoluent dans les chefs-lieux des territoires et ceux qui habitent dans les milieux ruraux. Alors cette prime de brousse concerne bien sûr que essentiellement ceux qui habitent dans les enseignants qui œuvrent ou qui évoluent dans le secteur, dans les milieux reculés, donc dans les milieux ruraux. Alors il y a toujours eu ce problème de différenciation, de différence de salaire qui crée en tout cas des écueils dans le corps professoral, chose qui a interpellé en tout cas le ministre Tony Mwaba lors de son séjour à Bukavu pour lancer comme ça les épreuves de TENAFEP, où il a pu remarquer cette situation qu'il déplorait, et c'est comme ça qu'il a obtenu gain de cause lors du conseil de ministres instaurant cette prime de brousse à hauteur de 20 000 francs. Bien sûr, cette prime en tout cas aura pour rôle de réduire un tant soit peu les écarts de rémunération qu'il y a entre les enseignants des chefs-lieux et ceux qui sont dans les milieux ruraux, s'il faut le voir dans ce sens-là.
Et pourquoi maintenant est-ce un oui à ce jeudi sans enseignants? Alors, comme je l'ai dit, c'est pendant le lancement des épreuves de TENAFEP où le ministre Tony Mwaba a pu constater ce mouvement de grève qu'on appelle la journée jeudi sans enseignants, qu'il a pu observer dans la ville de Bukavu où les enseignants manifestaient quant à cette différenciation de salaire des enseignants qui évoluent dans les chefs-lieux des territoires et ceux qui sont dans les milieux reculés. Alors, c'est pour cette raison que le ministre a pu instaurer cette prime à hauteur de 20 000 francs pour permettre à ces enseignants qui évoluent dans les chefs-lieux, ces milieux moins ruraux, qui bénéficient comme ça des allocations de transport, de logement, contrairement à ceux qui évoluent dans les milieux beaucoup plus reculés. On peut appeler ça dans les brousses, s'il faut les appeler ainsi, d'où le nom de cette prime de brousse. Et pour finir, est-ce que cette prime ne va-t-elle pas engendrer des frustrations encore entre les enseignants des grandes villes et ceux des milieux ruraux? Alors, bien sûr que non, cette mesure ou cette prime ne va pas créer une différenciation entre les enseignants qui évoluent dans les milieux ruraux ou encore ceux qui sont dans les chefs-lieux. Non, puisqu'il y avait déjà cet écart qui était constaté et cette prime vient avant tout pour réduire les écarts de rémunération qu'il y a, bien sûr, entre les enseignants qui sont dans les milieux très reculés, qui ne bénéficient pas des allocations, des allocations de transport ou encore de logement. Quant à c'est pour cette raison, pour motiver encore, pour réduire et enlever en tout cas cet esprit de frustration qu'il y avait dans le corps des enseignants en général, qu'on a instauré cette prime qui va bien sûr essayer de... qui ne va pas peut-être résoudre à 100% les problèmes, mais réduire un temps soit peu les frustrations qui évoluent en tout cas dans ce domaine. Merci à vous Aris Menga pour toutes ces précisions et nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Affaire TENAFEP, le ministre de l'EPST s'est exprimé au sujet de cette prime allouée aux surveillants de ces épreuves, mais aussi sur le mode de paiement qui oppose un bras de fer entre l'EPST et l'IGF. Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, en l'écoute. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs, ce n'est pas 500 dollars comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguette me dit, il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 dollars. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis, c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors, on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, je considère ça comme un dossier de la vengeance. La chronique du jour, c'est avec lui notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Il pousse sa réflexion cette fois-ci plus loin en nous ramenant une nouvelle thématique. Suivez donc la chronique du jour. Bonjour. IGF, tel est le sigle de l'Inspection générale des finances, dont les conclusions des enquêtes au sein des entreprises étatiques deviennent de plus en plus
retentissante en République démocratique du Congo. IGF est désormais le symbole de la traque de mandataires qui s'évertuent à dilapider les fonds de l'État par le moyen des détournements, de corruption ou encore des pratiques de fraude douanière. Depuis le début de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a renforcé ses équipes avec une centaine de nouveaux inspecteurs. Ceux-ci ont été donc déployés dans le cadre d'une patrouille financière partout où il y a d'importants fonds de l'État afin de censurer anticipativement aussitôt que la mauvaise gestion serait constatée. L'Inspection générale des finances a en effet déclenché une opération qui consiste à surveiller à la seconde le fonds de l'État, c'est-à-dire mieux les encadrer. Au bout de quelques mois, des signaux forts sont observés grâce à la patrouille menée par l'Inspection générale des finances. Dans un communiqué rendu public par cette structure rattachée à la présidence congolaise, il est bien noté que la patrouille financière lancée par l'IGF a contribué à relever les liquidités de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, l'ex-INSS, à hauteur de 314 millions de dollars américains fin juillet 2021. Mais en réalité, l'IGF indique avoir trouvé dans les caisses de la CNSS un montant équivalent à 204 millions de dollars pour 10 ans de gestion. C'est donc à la faveur de la patrouille financière de l'IGF que la CNSS a pu réaliser un gap de plus de 190 millions de dollars. Comment comprendre cet exploit alors que le directeur général de la CNSS ainsi que son adjoint sont suspendus et remplacés pour de faits présumés de détournement des deniers publics? Eh bien, l'Inspection générale des finances explique que cet exploit, cette performance, n'a rien à voir avec une bonne gestion au sein de la CNSS. Pour l'Inspection générale des finances, l'exploit réalisé n'est autre que le fait du contrôle de la patrouille financière qui a été assez vigilante. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wendy sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Faisons un petit tour dans le marché du jour pour découvrir les prix des accessoires de bureautique. Zoom Wendy, c'est tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wendy, spécialement aujourd'hui, nous vous ferons découvrir les prix des différents accessoires et outils des bureaux. Souhaiterez-vous renouveler vos outils? C'est parti avec Zoom Wendy. Commençons notre Wendy avec les prix d'une rame de papier duplicateur qui revient à 8 500, un carton qui revient à 43 000 francs, une pièce d'encre correcteur qui revient à 2 500, une pièce de souligneur qui revient à 2 000 francs, une pièce de marqueur qui revient à 1 000 francs, une pièce de marqueur effaçable à 5 000. Et pour ceux qui préfèrent les enveloppes, enveloppe A5, une pièce revient à 300 francs, une pièce d'enveloppe kaki revient à 500. Et pour vos agrafeuses, un paquet agrafe 24/6 revient à 1000 francs, un paquet agrafe 23/7 revient à 1500 francs. Et pour ceux qui utilisent les étuis à boutons simples, une pièce revient à 1000 francs, étui à boutons deluxe, une pièce revient à 1500 francs. Une pièce étui perforé revient à 500, une pièce de fard à rabat revient à 4000 francs. Un paquet d'attache papier revient à 3500 francs, une pièce de papier collant revient à 2000 francs. Et pour les écritoires, une pièce revient à 2000 francs congolais. Sans oublier que nous aurons besoin des stylos pour nos bureaux, il existe des stylos à 300, à 500 francs et à 1000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. L'agenda du 16 août 2021, ce sont les différents rendez-vous économiques. Adassa Grasse nous ramène toutes ces précisions à travers sa rubrique L'agenda. Tout de suite.
Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, Illico Job School débute une formation sur « Débute ta carrière professionnelle et les services à la clientèle » du 16 au 21 août 2021, des 9h à 12h pour la première vacation et des 12h30 à 16h pour la deuxième vacation à Kinshasa, 166 Isangi, croisement Willyri. Elle n'est pas gratuite, les frais de participation est fixé à 20$. Rappelons également que la formation en leadership a débuté ce lundi 16 août 2021 et prendra fin le samedi 21 août prochain à Kinshasa. Les frais de participation pour cette session est fixé à 50$, sans oublier 5$ comme frais d'inscription. Autre rendez-vous est pris avec Ségus RDC, qui à son tour organise un webinaire sur les guichets uniques intégrés du commerce extérieur en République démocratique du Congo, ce mardi 17 août 2021, de 10h à 12h. Et pour finir, Target SRL organise une formation en ligne sur les méthodes de collecte de données qualitatives ce jeudi 19 août 2021 de 15h à 16h30. Les frais de participation est fixé à 50$. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 donne la voix aux sans-voix. Aujourd'hui encore, une personne a décidé de nous ouvrir ses portes et de nous raconter sa petite expérience. Article 15, la débrouillardise, c'est tout de suite. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Nous allons essayer déjà des ans. Logo motiva pour la série logo oyo exactement ya fani. Koko abuta papa biso ana osalango. En plus tata mosi biso pe. Azamo lendo na ngo c'est ça comme la des belle. Ya on est sur le mtu atigela loko la dedans au net color sale. Je suis bleu bien aimé ça. Je suis un peu plus de temps. Et là, qui a faible sexuel, malaria, potable. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Nous sommes dans un moment où ma casse est en train de se faire. Donc, quand on a un peu de jeune fille, on a un peu de temps, il y a un exemplaire. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. À soutenir Bissot. Ils ont un peu de temps, ils ont un peu de temps. Mais ceux qui payent, ils ont un peu de temps, mais ils ont encore. On peut avancer à l'eau.
nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier, nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.